Je veux ma carte bancaire, la dame, je comprends pas. La jeune fille dans le métro. Oh, bah bon, oui, c'est super ça. Prends chacun une des filles. Bah, moi, je suis un peu. Vous connaissez les filles du métro? Oui, d'accord. Ouais, ça rigole, sinon, si vous ne connaissez pas, c'est complètement c'est instinctif. Salut. Voilà. Les paroles, on chantait une autre chanson. Pas, donc c'est pas vous pouvez deviner les paroles et tout. Pas de soucis. Cap. C'était une jeune fille simple et bonne qui demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges, je confesse, lui passait la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos elle trépanouille, et tombe sur une belle paire d'heures. Quand le jeune homme à la main tenait négligemment, en voyant les mois de la demoiselle, s'approcha un petit peu d'elle. Et comme en chaque homme tout de suite s'éveille le démon qui l'habite, le jeune lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite une étable. Métro continue son voyage et se dit: jeune homme, mes passages, je sens quelque chose de pointu qui d'un air ferme et convaincu cherche à pénétrer dans mots. Cœur à qui l'est donné, mais quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule. N'ayons pas peur du ridicule, dites-lui simplement: je t'aime. Rive, viens donc à la maison manger des spaghettis. Des spaghettis.